long de 93,26 km. Le projet qui va relier Port-Gentil au Hombo a connu en milieu de semaine son coup d'envoi à la faveur de la visite du chef de l'État gabonais. Ce projet, autrement appelé PO, projet de construction Port-Gentil au Hombo, comprend trois plans, dont deux ponts et la route elle-même. Ce qui est le plus important à retenir, c'est que voilà un projet particulier, parce que c'est un projet qui va changer définitivement la face de notre pays. Relier Port-Gentil au reste du pays, il est un vieux rêve. Et non seulement valeur symbolique que d'avoir une ville aussi importante, notre capitale économique, tourner le dos au reste du pays. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, les travaux ont déjà commencé. Et au moins, c'est le lancement officiel de ces travaux qui vont donc relier Port-Gentil au reste du pays. Mais aussi, en dehors de la valeur symbolique, ce projet a une connotation économique très forte. Mais le capital économique qui n'est pas relié au reste du pays n'est pas un problème. Et le fait que demain ce sera une possibilité va ouvrir encore d'autres perspectives sur le plan économique au niveau du développement. Donc c'est pour ça que je suis vraiment réjoui d'avoir pu faire en sorte que ces travaux puissent commencer et réaliser un rêve que tous les Gabonais ont eu. C'est un projet important pour le Gabon en ce sens qu'il verra désormais ses quatre pôles reliés. Pour un montant global de 315 milliards de francs CFA, il va ainsi favoriser l'emploi de 2 000 Gabonais.